Salut à tous sur What's News. J'espère que vous allez bien. Voici la deuxième partie du challenge. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à la voir où il y a toutes les explications. Bon visionnage. Get ready for the next battle. Ouais, je crois que j'ai fait la pire intro du monde. Bon, bah, rebonjour et bienvenue avec notre ogre à Lunar Lake. Donc, j'enclenche le chrono et c'est parti. Allô. Donc, je vous présente la... Le château qu'on a construit pour Isabelle Larroux. Donc, mon copain était un peu déçu, il trouvait que ça faisait un peu niche à chier. Ok, on met le chrono, c'est parti, donc il est 5 heures, donc c'est parti. Donc, je vais mettre le strict nécessaire. Hein. Ah, donc, juste un lit et un ordinateur pour le truc de rencontre. Donc, notre ravissante célibataire, notre petite bachelorette. Bon, bah, je vais commencer logiquement par... Créer un profil. Et se trouver des gens qui ont des têtes de riches, en fait. Oula. C'est quoi, ça? Comme dans Big Bang Theory, sinon je vois pas trop. Bon, aucun n'a vraiment une tête de riche. Si lui un peu, s'il a une veste, genre oui, je suis un rocker, wesh. Hop. C'est quoi ça? On dirait un vieux pédophile. Super. Donc, on va aller un peu en ville, se promener. Genre, il y a qui là? Il y a Alto. Plenosas. On va aller voir les Plenosas maintenant. Donc, on y va tout de suite. Ah, elle est attirée par lui. Vous voyez, compagnon canon. Bonjour, beau gosse moche, mais riche. C'est un vieux. Cheveux blancs. C'est pas grave, on va discuter, hein. On va faire connaissance. Pancakes. Amusante. Allez. Ok. Il y a quelqu'un. Bon, fuck that shit. Ah, un vieux. Une vieille. Bon, hey. Ah, sérieusement? La bonne femme est partie. Ah, oh, la salope. Ok. Hey! On va voir les messages déjà. Moi, j'ai un message. Ouais. Vous avez pas de message. Oh, je suis déçu. Viens, voilà, je veux faire biffer. Voilà. Bon. C'est un désastre. Non. Oh la solitude. Nous sommes actuellement à 13 minutes de jeu. Il n'y a absolument aucun avancement dans la quête de l'amour. Enfin, dans la quête de la richesse plutôt. Dans la quête de la grosse salope. Non, bah, non, arrête de t'en aller, putain. Ah, sérieusement? Ah, sérieux? Ok. Ah oui, tu sais quand t'es vraiment désespéré. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle est blasée. Bon. Génial. Oh non! Qu'est-ce qu'elle fait? Ramène ton cul! Il me demande de l'argent. Mais non, mais c'est. Mais. Oh, on va se dire qu'il est pauvre, ça. Ou klepto. Moi, je me dis sur klepto. Qu'est-ce que tu fous, toi? Mais non, mais il est sérieux. Il a eu tellement peur d'elle qu'il s'est cassé comme ça. Voilà. Non. Je crois que jamais un de mes sims s'est pris un vent pareil.
Voilà. Est-ce qu'elle peut avoir une relation avec un cheval? Non, parce que dans les faits, c'est un peu glauque, mais bon. Allez. Au Il pire. n'a pas l'air ni pour ni contre. Donc, c'est pas mal. Donc, on va continuer dans cette voie-là. On va continuer. On va. Non, on va pas tout de suite avouer son attirance. On est un petit peu dans la merde. Il faut y aller doucement avec les petits riches. Il faut pas être. Il faut être un peu prude pour les attirer, pour qu'ils se marient avec nous. Trompe. Sauter dans les bras. Premier baiser. Et ensuite, on va lui demander de rompre avec sa femme, Noémie. Vient de devenir l'ennemi de Noémie. Cool! Ça, c'est bien. Bon! Bon, mon Dieu! Ça fonctionne! En même temps, sexy. Ah, yeah! Oh my god! Ça marche trop bien. Premier baiser. Ah ouais. Ouais, que c'est mignon. Ben. Hey Jean-Pierre! Quoi? Je vais venir te chauffer! Vous êtes toujours de bonne humeur, j'adorerais passer du temps avec vous. Et d'où elle est de bonne humeur, elle est juste moche. Mais elle est considérée comme moche ou comme belle? Oh oh oh! Oh, c'est beau. C'est elle, Noémie? Allez, bam! Je me suis mis dans la poche en 3 secondes. Toi, tu vas dégager tout de suite, ma vieille. Hop, giflée. Allez, bam, dans ta gueule. Même se battre. Vas-y, on se bat. Moi, je veux me battre contre toi, là. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? T'as un souci, ma vieille? Tu veux qu'on se tape dessus, là? Oh, merde, elle va gagner, je crois. Oh, putain, comme elle me maîtrise. Oh! Je vais embrasser ton mec devant toi, si c'est ça. Un baiser langoureux. Le mec, il est à côté. Mais dis oui. Ah, parfait. C'est... Ça marche, est-ce que ça marche? Yes. Ah. Génial. Come on. Beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's you. Oui, j'ai eu le malheur de regarder juste ce générique de L'amour est dans le pré. Bah, ne m'en voulez pas. C'est l'amour à la plage. Ah ouh, tcha tcha tcha. Et les yeux dans les yeux. Ah ouh, ah ouh. Je ne sais plus quoi faire. Ah, voilà. S'il refuse, je suis dégoûté. Ouais. Vendre les meubles. Non, en fait, on va plutôt aller dans sa maison qui a l'air beaucoup plus grande. Quoi? 0 $? Il faut que j'emménage avec eux, en fait. Oh, d'accord. D'accord. Putain, c'est elle qui a tout le fric, en fait. C'est un truc de malade. C'est sa femme qui a tout le fric. Bon, on va tous emménager ici, hein. Voilà. Moi, je vous dis, hein, là... Ça va très mal finir. En plus, il y a une très jolie piscine. Donc, je vais tous les envoyer nager dans l'eau. Pour je ne sais quelle raison, hein. Voilà, c'est parfait. Donc, maintenant, on va s'occuper de vous, hein. D'accord? Donc, on va enlever les petites échelles. C'est pas trop possible que vous arriviez à vous en sortir, hein. Donc, là. C'est bon. Ouais.
génial. Voilà. Première épouse. Dead. Falloir qu'elle morte. Ben, tu t'occupes pas d'autre chose, Pat? Oh non, pauvre petite. En effet, je me suis trompé. Moi, je croyais que sa maison était énorme et tout. Oh, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Oh non. Ah, voilà. Ah, tu as bien mérité de mourir, toi. Je te déteste. Voilà. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ouh là. Je sais plus où tourner de l'œil. C'est trop chiant ce pyjama. Je vais pas pouvoir tenir plus longtemps avec ce pyjama-là. Cunégonde s'est mariée avec le petit Franco. Et le petit Franco va désormais mourir. Voilà. Maintenant que t'es là, toi, bon, je pense que vous savez comment tuer quelqu'un dans une piscine. Voilà. Bon, bah maintenant on n'a plus qu'à attendre en fait. Y a... Je ne suis pas un sagouin. Nanana, je ne suis pas un sagouin. Et bah voilà. Ah, là c'est la petite faucheuse. Il est où? Yeah! Allez, crève, connasse! Crève! Oh, lui aussi! Oh, trop bien! Toi aussi! Oh, bon, parfait, là! Y'a trop de choses à faire, la mort, là! Trois gens d'un coup! Et crève, mon gueule! Pleurer, mais c'est ça, je vais pleurer pour elle, t'as raison! Donc, ça, c'est fait! Maintenant, on va faire comme si de rien n'était! Hein. Parce que, bon. Moi j'ai rien fait du tout, hein, c'est pas ma faute. Ils sont morts tous. Ils sont morus tout seuls. Hein. Donc on va enlever cette piscine. Voilà, il s'est rien passé, il s'est rien du tout. Je crois qu'il y en a un qui est célibataire, c'est le mec des Plénosas qui habite ici. Invité, allez. Allez, viens. On prend la main. Et on danse comme on l'a jamais dansé. Invité. Allez. Dans un parc à Toubouctou, chez José. Sir Gweb? Dark Ogly? Gweb? Ouais, une célibataire. Mais chope. Oh. Hop, pointe apparence. Non, force de l'ordre, non, politique, non, musique, non, pègre, non, dans les affaires, accepter la carrière. Donc, ça c'est bien. Est-ce qu'elle bosse? 8 heures, ah merde, du coup. C'est dans un jour. Fini encore ses bosses. Ah, c'est lui son boss. C'est Gunther, gothique. Eh ben, Gunther. On va t'appeler tout de suite. Il est pas là. Fais chier. Faut que je me trouve une autre victime. Herbert. On va aller voir les petits Herbert. On va se lier d'amitié avec eux en attendant. Ah! Elle a attiré par lui. Ça, c'est cool. Même pas. Non, bah. Fais connaissance, ouais, c'est mieux. Lui est pas mal à l'aise. En fait, je crois qu'elle a attiré par tout le monde. Pleure sur son épaule, là. Fait la petite innocente. Quoi, quoi, quoi? Ils sont au parc? Ils doivent être en train de bosser, lui, tout simplement. Gunther, t'es où? Gunther! Salut! Bon, là, par contre, il est toujours pas intéressé à moi, donc ça commence à être chiant. Allez, et moi, enjôleuse. Allez, s'il te plaît, me fais pas un vent. Ah yes, belle musique. Ça y est, je l'ai dans ma poche. Oh. Ah non, ça marche pas. Oups, 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 ok. C'est tellement compliqué avec cette fille-là. C'est tellement compliqué. Ouais.
ça a beau accepte. Voilà. Je crois que c'est la relation la plus rapide que personne n'ait jamais eue. Elle peut pas le frapper son enfant, mais bon là il y a un moment. Oh merde. Oh merde! Oh merde! Ou zut! Ou ça perd l'hypothèse. Bon, j'ai peut-être usé d'un mode là. Et j'ai peut-être tué un bébé par la même occasion. Oh. Ouais. Oh, regardez comment elle est buggée. Oh mon dieu. On dirait Gargantua.